On connaît tous la peinture, et notamment ses grands peintres, comme Léonard de Vinci, Vermeer ou bien encore Van Gogh. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer un défi, celui de faire de la peinture. Et voici ce que ça a donné. Jeanne, t'es en train de nommer les mots ! Par contre, là, j'ai raté ma... Bref, bonne vidéo les copains. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais faire de la peinture. Du coup, j'ai acheté tout ce qu'il faut. Je tiens à préciser que cette vidéo a été pré-filmée, donc je tourne pas les mêmes séquences le même jour, c'est pour ça que vous allez voir que j'ai différentes tenues. Bref, du coup je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Du coup j'ai changé de vue d'angle, du coup voilà, donc je vais vous faire un haul de tout ce que j'ai. En même temps c'est un FaceTime avec une amie, du coup c'est pour ça que je viens beaucoup regarder le téléphone. Et aussi genre j'ai le modèle sur l'iPhone. Du coup en premier bien évidemment la peinture, parce que bah, sans ça tu peux rien faire quoi. Ici on a les pinceaux, j'en ai pris, il y en a une 10 je crois. Et bien évidemment la toile, voilà. Et le pupitre, j'en ai pris un tout petit hein, parce que bon, j'aime de dépenser 45 balles dans un pupitre. Donc déjà on va déballer la toile. Oh my god, ça va être ASMR. J'ai des ciseaux. Oh my god, faut juste pas que je coupe la toile, parce que ça, moi je suis tellement débile que je pourrais la couper. Elle a dit oui. Bon, pour ceux qui demandent, je les ai achetés chez Action. J'ai pas voulu mettre des milliers et des milliers. Et c'est une 30 x 40 cm. Donc là, 30, là 40 je crois, je sais pas. En fait, je fais des trucs, mais je sais pas ce que je raconte. Pourquoi ils ont mis ça là derrière? Ils m'ont mis des trucs, je comprends pas ce que c'est. Et en fait, genre, j'ai vu cette vidéo, genre, je me suis inspirée. Sur la vidéo, enfin, sur le live de Michou et Inoxag, ils avaient fait de la peinture. Du coup, oui, du coup, je me suis inspirée sur le live de Michou et Inox. Et Inox, il avait fait une peinture, elle était grave belle. Et du coup, bah, j'ai décidé de la reproduire. Du coup, moi, j'ai l'image juste là, je l'incrusterai peut-être au montage. J'ai pas de deuxième caméra, j'en avais trouvé une, mais elle a plus de batterie, quoi. Et je trouve pas le changeur, parce que je voulais la mettre là pour que vous voyez, mais du coup, bah... Flemme, je filmerai à l'iPhone, ok? Déjà, on va ouvrir la peinture, frère. Et j'ai pas trouvé en bas, mes parents ils ont lavé le sol. Et genre, je peux pas descendre parce que c'est mouillé. Du coup, j'ai pris du PQ pour essuyer mon pinceau. Et une bouteille d'eau que je n'utilise pas pour tremper mon pinceau. Je sais pas comment j'ouvre. Comment on ouvre de la peinture déjà? Oh non, ils ont encore mis du plastique, beaucoup. Ah non, c'est bon. Oh my god, il y a beaucoup de peinture! Bon, la peinture aussi vient de chez Action et il y en a 25. Et elle a l'air grave bien, genre. Il y a 12 ml. Ok, du coup, de ce que je vois, j'aurais besoin de verre. Un verre assez sapin. Déjà, on va commencer par faire au crayon à papier. Donc, je vais aller chercher un crayon à papier. Du coup, j'ai fait une première montagne. On voit rien. Ah si, on voit. Voilà. Je dessine les gars. Du coup, bah, je pense que je vais vous mettre en accéléré. Genre, ça va pas être intéressant en soi. Regardez les gars, j'ai fait deux montagnes pour l'instant. C'est pas mal en vrai. Par contre, là, j'ai raté ma... Du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au plus intéressant, ce qui est la peinture. On a plein de pinceaux. Et vraiment, genre, c'est super qualitatif. Vous voyez, ils viennent de chez Action, pour ceux qui s'intéressent. Et je pense que je vais utiliser celui-là. Parce que genre, il m'a l'air pas mal. Genre, pour faire genre les petites pigmentations comme ça. Elle va peut-être un peu épais. Du coup là je suis en train d'essayer de chercher, lui aussi je pense qu'il serait pas mal. Bon du coup je vais mettre de la peinture. Merde, j'ai pas prévu d'assiette, putain je suis con. Du coup là dans la peinture ils m'ont donné un petit truc comme ça, genre pour poser la peinture. Une petite fleur. Du coup je vais mettre de la peinture noire dessus. Bon du coup je vais mettre le noir, j'ai mis un noir très foncé. Donc là je pense que ça c'est bon parce que je veux pas en faire de gâchis. Ça je pense que c'est bon. Oh my god.
fait une crotte, les gars, frère. En fait, ça va. Genre, regardez ce que ça donne. Du coup, là, je vais continuer de peindre les trucs et je vous reprends après. Ok, du coup, j'ai fait les montagnes, ça donne ça. J'en ai quelques-unes, elles sont un peu ratées, mais j'aime bien ce que ça donne. Du coup, voilà. Là, je vais faire le petit chalet qui est là. Qui va être là, en fait. Du coup, je vais le faire au dessin en premier, au crayon pâté. Et voilà. Et en même temps, du coup, je regarde le live. Voilà. Ça fait ça le chalet, mais c'est pas très beau là. Et genre là je suis en train de faire un ciel bleu. Et genre j'essaye bien d'enlever genre le bleu. Je pose pas sur le pupitre parce qu'en fait genre... Ah non, en fait là ça peut être facile. Non, là c'est plus facile de peindre avec le pupitre. Parce que tout à l'heure genre c'était compliqué. Du coup je vais remettre un peu de bleu. Et genre il y a un truc genre c'est fait exprès pour percer. Mais du coup après ça fait sale. Je comprends pas genre le but. Je remets du bleu. Bah je pense que de toute façon le bleu là je vais le finir. Il y a 12 ml dans chaque truc. C'est pas mal en vrai. En vrai, là je fais le plus gros, genre ce que je peux le plus peindre. Et après, genre je ferai genre plus les détails, tout ça. Mais pour l'instant, je vous jure, c'est pas mal. Est-ce que je dis ça pour me rassurer? Peut-être. Vous savez que là, genre ça fait déjà genre 2 heures de rush. Entre temps, en fait, ma pote m'a laissé. Elle a dû faire des trucs. Donc du coup elle a raccroché, donc du coup voilà, ça fait genre 1 heure et je peins genre. Là je viens de me mettre debout. Hein. Attendez, parce que s'il y a une giclure qui va sur le mur blanc de mes parents, je suis mort. Mais vraiment, genre, vous pouvez genre acheter mon cercueil directement. Genre, déjà, depuis tout à l'heure, ma mère, je regarde pas, elle regarde ce que je fais et tout. Genre, elle regarde si je fous pas de la peinture partout. Regardez ce que ça donne, c'est pas mal en vrai. En vrai, de vrai. De vrai, c'est pas mal. J'aime. Je valide. C'est top. J'adore. Le mien, genre, le truc bleu, ça fait bien. Genre, en gros, genre, je trouve ce qui gâche un peu, c'est le chalet. Genre sans chalet ça ferait mieux. C'est trop beau. En plus genre le ciel bleu genre ça rajoute quelque chose. J'ai d'être ça sans vouloir être méchant mais j'ai d'être ça. Mon ciel bleu il est trop beau. Sans vouloir être méchant j'ai trop d'être ça. En vrai au niveau du haut j'ai d'être ça. Ça fait 6000 fois j'ai dit j'ai d'être ça. Mon téléphone genre il s'est éteint. Genre nada, plus de batterie. Il a dit genre non, il a refusé de passer genre 1 heure de plus. Du coup je reprends en manuel, il y a ma soeur entre temps qui est venue. Et ça donne ça. Du coup j'ai fait plein d'arbustes. Lui il a totalement loupé. Eux c'est parce qu'ils sont en hauteur, genre en mode ça fait genre vue de haut. Eux lui aussi un peu loupé. Lui ça va, lui il est bien. Là il y a le chalet, du coup la peinture je l'ai peint avec vous. Et je pense en fait qu'après bah, genre je le mettrai là. Après une fois qu'il sera fini je pense que je le mettrai en vidéo pour que... on s'en rappelle quoi. Bref. Du coup voilà, c'est ma soeur là qui me filme, ça va être ma caméraman. En tout cas, je trouve ça plutôt joli ça. Du coup je vais continuer de peindre, je sais pas s'il faut que je rajoute. Du coup mon téléphone il s'est éteint guys. J'aurais pas dû faire ça. Ça fait ça. C'est horrible. Bon, du coup ma peinture elle donne ça. Je pense qu'il y a un petit problème. En soi, genre, c'est beau, mais pas le chalet. Le chalet, genre, non, c'est dégueulasse. Mais, du coup, là, par exemple, le lac, il est bien fait. Les arbres, j'aime bien.
en soi, genre, pas si mal, à part le chalet, qui est vraiment, genre, dégueulasse. Du coup, je pense que maintenant, il sera dans mon décor YouTube. Bon, ça dépendra aussi de la couleur que je veux, là. Pour l'instant, je vais le laisser sécher sur son pupitre. Et voilà. Du coup, je vais continuer un peu à ranger et on fait un débrief. Du coup, voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, je vais vous montrer le reveal tout de suite de ce que ça donne en fait. Du coup, voilà ce que ça donne, la peinture finie. À part le chalet, je trouve que ça va en vrai. Du coup, je pensais le mettre là, ici. Ça comble le trou en fait, comme ça. C'est pas mal là. Vous le voyez dans les vidéos. D'ailleurs, j'ai changé mon décor, vous voyez qu'il y a des photos. Du coup, voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré la filmer. Je suis plutôt content, à part le chalet que... Bon, bref, il est pas très beau. Mais sinon, ça va, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Bisous, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un gros pouce bleu et à mettre la cloche. C'est super, super important. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.